À 75 mètres de haut, suspendu dans le vide contre les piliers de béton, les cordistes d'Apave scrutent chaque détail du viaduc de la Violette. Tous les 6 ans, il faut s'assurer que cet ouvrage d'art est en bon état. Ici, plus de 100 000 véhicules traversent la vallée chaque année. Alors, pour perfectionner encore davantage leur travail, les techniciens d'Apave utilisent des lunettes connectées. La lunette connectée, c'est un vrai avantage parce qu'on a une vision directe de ce que voit le cordiste et on a la vision lointaine en même temps. Donc pour un spécialiste, c'est assez intéressant, ça permet de guider nos interventions sur corde et d'aller vraiment aux endroits cibles pour reconnaître les pathologies, voir leur évolution et voir l'incidence sur l'ouvrage. Depuis début octobre, Apave examine plusieurs ponts de l'autoroute A75. Celui-ci, situé près de Massiac, est long de 564 mètres. Le travail de ces alpinistes du béton est grandement amélioré grâce aux lunettes connectées qu'Apave déploie désormais. Les lunettes connectées ont été déployées dans toutes les agences de France avec un premier objectif de réaliser 20% des supervisions terrain à distance. Et nous utilisons aussi ce matériel en expérimentation, notamment sur cet ouvrage, pour permettre d'avoir une visualisation avec les lunettes connectées depuis l'ordinateur qui est situé à l'arrière de la voiture avec un expert de l'ouvrage. Apave accélère en matière d'innovation et ses lunettes n'en sont qu'un exemple. Ici, ils ont eu également recours à un drone, bien utile pour un viaduc aussi impressionnant.